Salut à tous et à toutes, c'est Trou tout seul pour ce premier épisode de Dinky Pits. Alors, qui sera sur Batman Arkham Asylum, comme vous l'avez peut-être vu. Je vous ai laissé sur le dernier écran avant le début du jeu, parce que, au cas où vous ne l'ayez pas compris en regardant l'intro, c'est pas forcément, comment dire, évident, donc ce serait tout à fait normal que vous n'ayez pas compris. Eh bien, Inky Pit correspond en fait à faire le début de jeu. Parce que personnellement, j'ai toujours aimé le début d'un jeu. Je trouve que c'est excitant quand on commence un jeu et que du coup, on rentre dans l'histoire, dans l'intrigue, tout ça. J'ai toujours trouvé ça très sympa. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'après tout, faire le début de plusieurs jeux, ça pouvait être super quoi. Donc on va partir, le mode de difficulté, aucune incidence, je crois pas que je sois vraiment obligé de combattre. On va partir en facile de toute façon. Et on va direct commencer sur une cinématique. Allez. Ça se passe à Gotham, hein, logiquement. C'est assez drôle. Alors, ce que disait la pancarte, c'était que les randonneurs pouvaient être des patients échappés. Fin de cette première cinématique, donc tout simplement ça nous montre Batman qui amène le Joker et ensuite c'est à l'entrée d'Arkham, un asile de fous qui est réputé pour avoir des criminels. Hey Sharpie, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous c'est directeur Sharp. Bones. Hey Frankie, comment va la petite famille? Est-ce que je vous ai manqué? La ferme, la clone. J'ai ici beaucoup de gens qui veulent vous parler. Vraiment, ça ne te dérange pas de marcher? Oh, pas si serré, voyons. Attention à mon costard. Débarrassez-moi de ce dégénéré. Directeur, quelque chose cloche. Je vais le suivre. Et donc là, Batman a des doutes. Et on rentre dans du gameplay. Alors, c'est vraiment du gameplay d'introduction. Le commissaire Gordon donc, est là. Voilà. Ah, excuse-moi, ça doit être ma manette. Parce que le jeu est jouable à la manette. Oh. Hop là, voilà. Le jeu est jouable à la manette, donc si la manette déconne. Donc là, on dirige vraiment Batman. Hop là. On peut zoomer, faut que je me souvienne comment on fait, mais on peut. Ça fait office de générique, hein, comme vous voyez à droite. Ah voilà. Coucou le Joker. Donc pour revenir sur Inky Pit, je vais vraiment faire le début. Hein, donc vous pouvez avoir peut-être une certaine idée de. Comment dire? De là où je vais m'arrêter si vous avez fait le jeu. Hein. Et ça varie un peu, hein, mais en gros, il n'y a pas un milliard de débuts possibles. Déjà pour Batman, et ensuite pour d'autres jeux que je compte vous faire. Donc les épisodes, comme vous pouvez le voir en regardant la durée, sont relativement courts quand même.
Bonjour. Coucou. Donc direct, on est quand même plongé dans une ambiance assez sombre. Je trouve ces épigraphismes sont assez sublimes. Faut bien le dire. Tiens, bah voilà, il nous explique comment on zoom. Tiens, allez hop. Sinon, il va tout le temps nous laisser. Il est vraiment barge, lui. Lol. C'est patate. Qu'est-ce que tu as là, Coco? Allez, dis-moi, patarangue, patgriffe. C'est sûr que je pense que Batman qui passe à l'aéroport, ça, ça va, non? Ça, y a pas à chier. Donc, normal, on nous laisse rentrer toutes nos saloperies. Le jeu, je sais pas trop quand il est sorti, hein. Je suis pas intéressé, mais si je dis pas trop de bêtises, c'est quand même après The Dark Knight. Le film. Bah, le film. Ah, y a un nouveau. Il y a la suite de The Dark Knight qui va sortir aussi. Ça va être assez cool. Comme genre de jeu, j'y pense, et j'aurais assez de mal à le cerner. Il y a une part d'infiltration, mais il y a aussi de la baston. Baston, ouais. Ouais, voilà. Donc je dirais, je sais pas, action-infiltration. Je verrai comment il l'intitule sur divers forums. Donc là, il y a des fous. L'autre qui s'énerve. Mes hommes auraient pu être blessés dans cet incendie. Je n'ai qu'à aller voir votre prisonnier, officier Rose. Je m'en fous, mais dépêchez-vous. On suit la procédure. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Il semble avoir subi de légères lacérations, probablement durant les deux dernières heures. On dirait qu'il est... Ah, coup de pression. Vraiment fou. J'adore. Donc tout ça c'est vraiment pour mettre dans l'ambiance du jeu et tout. Comprendre. Quand on commence là, on peut rien faire. Normalement on a des gadgets, tout ça, je peux pas y accéder. Hein. Cherchez pas, je peux pas taper non plus. Et je peux pas contre eux. Voilà, il a résumé aussi bien que ce que j'avais prêté à le faire. Donc là, il y a un vilain pas beau qui va monter. Non, ça devait être l'un des gardes alors. Ouh, il est mignon. Oh, mon vieux, c'est toi. Comment il arrive à voir? Ah, ouais, il arrive à voir. Effectivement. Il est mignon, lui, hein. Préparez-vous. Il est pas mal. Bon, évidemment, les gardes. Il faut le tenir en constamment. C'est marrant, mais je sais pas pourquoi je pense pas que des balles puissent vraiment lui faire quelque chose. Enfin, c'est mon avis. La musique laisse augurer le pire, mais ça va. Coucou, c'est moi que tu regardes ? Mais oui, mais oui. Tiens, on va tester un peu. Non, j'ai pas l'impression que... Ah, si, 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 il nous regarde. Je crois bien qu'il nous regarde quand on bouge. Bon, bah là, déjà, on comprend qu'on risque de l'avoir en boss. C'est vite vu. Il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Si tu le dis. D'accord. Oh, ça va. Ouais, bon, ça peut aller quand même, hein. Ils sont où dans l'ascenseur? Ils ont quand même pas poussé le vice jusqu'à mettre une musique d'ambiance. Super nuit pour une fête. Mais il y a la télé quand même. On a le temps. C'est genre une des rares fois où Batman parle. J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Au fait, tu ne trouves pas étrange que l'incendie de Blackgate ait entraîné le transfert d'une centaine de mes hommes jusqu'ici? Non, c'est normal, t'as un plan. Ça, tu vois un coup de boule. La texture des visages et enfin bon, les détails sont assez bien faits aussi. Je sais pas si j'ai mis la... jamais coincé si facilement. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Donc Batman a des doutes. Logique.
La mort horrible d'une centaine. Je sais pas si j'ai mis les graphismes au max, c'est ça que je voulais dire. Trouveront une fin terrible grâce à toi et à des allumettes. C'était ce que tu voulais entendre. Donc il nous explique gentiment que en gros, il y a eu un incendie dans une Qu'est-ce qu'il fait ? On ne bouge pas. Il y a eu un incendie dans une prison qui a libéré plein de prisonniers qui étaient des amis du Joker et qui ont été transférés ici. Temporaire. Boum. Il est violent, Batman. Hein, oui, oui. L'invité est là. C'est une manière de présenter les choses. L'invité est là. On peut dire ça comme ça. On peut pas doubler le. Tu es revenu. Tu as tué 3 de mes gars pour t'échapper. 3, c'est tout. On peut pas doubler le chariot. On parie une centaine. Bon, on comprend assez vite que, a priori, il va y avoir une embrouille. Et je vous laisse la cinématique. C'est le commissaire qu'on avait vu. Du commissaire. Ennui, Jim. Ah, le Joker a osé envahir la mairie et il retient le maire en otage, me laissant la tâche de gérer les équipes de choc, les médias et vous. Ouais, c'est une sacrée idée. Donc, on a chopé le Joker pendant qu'il prenait le maire en otage. Ouais, c'est ça. On ne passe pas. Désolé, Batman, réservé au personnel d'Arkham. Déjà, elle avait pas l'air très équilibrée. Et elle avait accès aux écrans de contrôle, donc. Il déstabiliserait les patients violents. Je crois bien qu'il parle de toi, Batou. Ne fais pas ton timide. Tu es toujours le bienvenu ici. Ah, ça fait du bien d'être de retour. Je t'ai manqué. Est-ce que ça va? Il s'est rendu presque sans combattre. Et Batman continue d'avoir des doutes. Vous allez voir qu'il a bien raison. Il a retrouvé sa place. Coup de boule. Le Joker est libre. Alertez-le. Étranglement. Le médecin qui sert à rien. Chacun son tour. Voilà. Donc il avait réussi à faire avoir une complice dans la salle de contrôle. Et piège, coucou. Et tu es tombé dedans comme une fleur. Et maintenant, que la fête commence. Et première phase de combat, donc clic gauche pour attaquer, c'est tout con. Désolé pour cette occasion, on contrôlera. Clic droit, bon ok, fail en plus. En théorie c'est clic droit pour parer aussi. Hop, on peut faire des illuminations au sol. Et on a une vue qui nous montre donc les êtres humains, les trucs oranges qui peuvent être utiles, genre la... Vous voyez, on peut ouvrir ça en fait. Hop. Donc en gros c'est une aide en fait. Hein. D'ailleurs en difficile je crois qu'il est impossible d'activer ce mode. Je suis pas sûr. Hein. Parce que j'ai pas joué en difficile. Là, voilà, là il nous explique ce que je vous ai montré. Par contre, voilà, le défaut d'éliminer au sol, c'est que on peut pas se défendre. Hop là, coup de cap, ça étourdit les ennemis. Et puis ensuite, boum. Ah bah oui, on a un batarang. Hop, voilà. Hop, coucou. Coucou. Boum. On a un ralenti quand. Le système déraille, on est coincé. Le Joker contrôle les portes de sécurité. Donc on a des trophées. Je trouverai une solution. Gordon, je n'ai pas parlé, mais. Le jeu tourne avec Games for Windows Live. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez immonde ce truc. J'ai d'ailleurs pas réussi à récupérer ma sauvegarde. Je sais pas, il veut pas récupérer mon profil. Une connerie avec le réseau. Donc vous êtes obligé d'avoir une connexion internet si vous voulez jouer. On a un grappin aussi.
là, et on peut rentrer dans les îles d'Arcane. Mais je vais pas y aller. Parce que bah, selon moi, là, c'est la fin. Oui, voilà, il explique que ce que j'avais déjà fait, le batarang. Il y a aussi un batarang rapide, en une touche, on lance direct le batarang sans viser. Et le petit truc donne des points en fait. Il y a une jauge en haut à gauche là que vous pouvez voir qui vient de monter à 670. Mais je vais pas y aller parce que pour moi la fin est là quoi, voilà le décor est posé, hein. Batman doit rentrer dans les îles d'Arkham pour Batman doit rentrer dans les îles d'Arkham pour contrer l'insurrection du Joker. Ça arrivera. J'aurais pu continuer un peu au moment où on entre vraiment dans toute l'île d'Arkham et tout, mais non, selon moi là on aura, enfin scénaristiquement c'est vraiment là que ça a commencé, après une phase de combat qui présente le jeu et tout ça. Voilà, on a une carte normalement que je sais plus activer évidemment. Ah bah si, c'est tab, voilà. Donc comment on bouge? Ah oui, d'accord. Et voilà. Donc on était là. Va falloir se balader. La carte rend pas très... Enfin, on rend pas hommage, mais le jeu est plutôt vaste. En fait, Arkham étant un complexe, il y a plein d'îles et tout, donc bon. Bref, bah c'était le premier épisode d'Inky Pit. Je voulais vous présenter un jeu comme ça, Batman Arkham Asylum. Qui doit plus valoir grand chose en plus. Je pense quand même qu'il faut une certaine config pour le faire tourner, hein. Je vous invite à vérifier avant de l'acheter quand même. Il est relativement récent quand même, il doit avoir 5, 6 ans, je sais pas trop. Graphiquement, comme il est bon, je pense vraiment que vous feriez bien de vérifier si votre PC peut le gérer. Donc j'espère que vous avez apprécié et que vous aimez le concept aussi, surtout. J'aimerais remercier Evolix pour l'introduction que vous avez vue, que je trouve super. Je l'avais demandé, elle correspond assez bien à ce que je cherchais. Pour ceux qui se demandent, je voulais plus ou moins recréer la pub Maïf. Bref, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à donner des suggestions, entre autres. Et si vraiment vous... vous ne pouvez pas vous retenir, n'hésitez pas à regarder un let's play sur Batman par exemple, hein. Parce que je conçois que faire le début d'un jeu peut être frustrant pour certains et que ça peut donner envie de connaître la suite. Là c'est vrai qu'on a envie normalement de continuer, d'aller là-bas vraiment quoi, mais bon. Je ne le ferai pas. Enfin, je ne pense pas faire de let's play sur ce jeu, donc je vous invite à aller regarder le travail d'autres personnes, hein. Je m'y suis pas intéressé, mais il n'y a pas de raison que ce soit très mauvais non plus. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, mais tout ça c'est important, faites des critiques aussi, c'est presque plus important que les éloges, hein, pour que je puisse les corriger dans un épisode 2. Et merci à tous. Et portez-vous bien. Ciao !